C'était le 31 août, 4h de l'après-midi. Sapristi, qu'il faisait chaud. Je m'étais endormi sur la plage, dans la foule, en maillot. Une mouette m'a réveillé le 1er septembre à 11h du matin. Il n'y avait plus que moi sur les 9 km de sable fin. La mer sans arrêt roulait ses déchets. J'étais perdu, abandonné, il pleuvait. Alors j'ai crié, crié. Sur l'acheté, j'étais bon pour la bronchite. Gauche-droite, plus une auto, il y avait même plus la baraque à frites. Et au camping, plus de tante, plus de Monique, plus de Josette, plus de Jean-Jean. Mais qu'est-ce qui pouvait faire froid, boulevard de l'océan? Mais c'est pas vrai, il m'avait oublié. J'entendis une barque à moteur. Je courus, on allait me renseigner. Un homme buriné par les ports de l'Atlantique tirait un lourd filet. Dur métier. Sur la grève, lui en ciré jaune et moi en slip de bain, j'ai bien vu qu'il me regardait comme un personnage d'une aquarelle de Marie-Laurent.